Si l'avenir chez les poids lourds de la boxe appartient à ceux qui se lèvent tôt, alors Tony Yoka a de beaux jours devant lui. 6h du matin, sans faire de bruit pour ne pas réveiller sa compagne Estelle Mosley, le champion olympique remet son bleu de chauffe. Après son titre, le Français a coupé complètement. 4 mois de vacances, des sollicitations médiatiques, son quotidien n'a plus rien à voir avec celui d'un sportif de haut niveau. Tu te lèves boxe, tu manges boxe, tu dors boxe. Au bout d'un moment, t'as besoin de couper avec ce monde. J'ai kiffé chaque moment. Le fait d'être juré à Miss France, c'est quand même un truc de fou. Tu te dis, tu passes de boxeur à juré à Miss France. J'ai vraiment attendu que ça me manque pour revenir à la salle. En janvier, Tony Yoka remet doucement la machine en route. Il décroche aussi le plus gros contrat jamais signé par un boxeur français avec un promoteur américain. Des millions d'euros qui le font passer dans une autre dimension. À 2 mois et demi de son premier combat chez les professionnels, l'effort guide à nouveau la foulée de Tony Yoka. Alors, Tony, les sensations ? Ça pique, mais ça fait du bien. Ça faisait longtemps ? Ouais, ça faisait 6 mois. J'avais pas fait un vrai footing. Du coup, c'est dur, mais c'est bon, parce que ça fait un mois que je suis ici. On part progressivement, vraiment. Ils n'ont pas voulu me tuer dès le premier jour, et c'est ce qui est bien. Du coup, on construit petit à petit. Pour ne pas céder à la tentation de San Francisco, Tony Yoka s'est installé à 50 km, à Union City. Un endroit où il n'y a rien à faire, à part boxer. La salle est à 10 minutes de son 3 pièces. Un lieu privé où s'entraînent aussi 3 champions du monde. Un changement radical avec le monde amateur. Tu passes en équipe de France, tu arrives à la salle. Tu fais ton petit échauffement, tu fais la séance, tu fais un petit peu d'abdos, et pour ceux qui veulent, après tu rentres dans la chambre. C'est la boxe olympique, c'est 3 rounds, ça va très vite. Ici en pro, c'est différent. Tu sens que les mecs ils prennent leur temps. À la salle, tu arrives, tu peux passer, tu passes 3 heures. Tu passes au minimum 3 heures à la salle. Tony est entouré d'une structure professionnelle à son service. Il a son propre cutman qui lui fait ses bandes à chaque entraînement, un préparateur physique et un nouveau coach. À la salle, il y a aussi des règles et elles s'imposent à tous. Il faut savoir qu'ici, t'as pas le droit de mettre de la musique. Tu peux mettre du hip-hop américain, mais faut pas qu'il y ait de grossièreté. Et donc moi, j'ai balancé de la musique et Virgil m'a dit « Ah !» Il m'a dit « Non, pas ça. » Donc du coup, je mets de la musique française, comme ça. De toute façon, je suis sûr qu'ils comprennent pas. Si Tony Yoka a traversé l'Atlantique, c'est pour un entraîneur à l'ancienne une référence. À 63 ans, Virgil Hunter a un dernier défi. Faire de Tony Yoka le premier Français champion du monde des lourds. Le changement, c'est dans la tête. Si t'as le mental, le corps suit. Le mental, c'est très important dans notre sport. Se battre, il sait faire. Donc la prochaine étape, c'est de travailler là-dessus. Je crois qu'il peut devenir champion du monde en 3 ans, voire moins, physiquement. Mais mentalement, je n'en sais rien encore. Mais avec ses qualités physiques, il a tout pour être champion du monde dans 3 ans. C'est bien ça. Là, tu vois, je ne peux pas voir le cou. Tu te protèges avec les épaules, et là, tu vois mes mains, d'accord? Donc quand je suis prêt à donner un coup, tu t'approches avec les gants et tu réduis la cible. Donc baisse-toi, toujours en dessous de moi. Bien ça. La technique, c'est le plus dur. Le physique, en quelques mois, tu peux être prêt. Hein. Du cardio, de la muscu, c'est bon, c'est
comme la technique, il faut le temps que tu enregistres, que ton corps s'adapte au mouvement et que en fait ça part tout seul. Quoi. Par exemple là, au départ j'avais l'impression de bien faire le mouvement, mais je tournais pas mon pied gauche. Dès que j'ai commencé à tourner mon pied gauche, je me suis rendu compte que je frappais beaucoup plus fort. Tony Yoka travaille sans broncher. Ici, il n'y a pas de statut privilégié. Pas de champion olympique. Il repart de zéro, assimile la méthode Hunter, répète les gestes les plus basiques. Le Français est né aux yeux du grand public à Rio. Drapé de bleu, blanc, rouge, Tony et Estelle ramènent deux médailles d'or à la France. Ils sont la belle histoire de ces JO. 8 mois plus tard, le couple en or du sport français attend un heureux événement. Et ça, c'est pour Estelle a mis entre parenthèses sa carrière pour suivre Tony. Une pause d'un an pour profiter de sa grossesse. Et pour la suite, ce qui paraît clair pour Tony, l'est beaucoup moins pour l'ex-future boxeuse. C'est sympa, c'est grave, mon projet. On s'est serré les coudes jusqu'à Rio. On s'est pris la tête pour pas mal de décisions. Je l'ai beaucoup aidé, elle m'a beaucoup aidé. On s'est soutenu jusqu'au jeu parce que dans ma tête, j'avais un deal. Et c'était, voilà, si c'est une médaille d'or, on arrête. Donc j'ai tout fait pour qu'elle l'ait. J'ai rempli ma part du contrat et le reste, c'est plus mon problème. Si je suis amenée à reprendre, à empiler sur... ce sera 3 ans, c'est pas la mort. Bon, il a eu son enfant, hein, il va pas chipoter. Hein. Une fois par semaine, Tony se rend à l'université de Berkeley. Avec son préparateur physique, il soulève de la fonte et malmène ses 110 kilos. Pour exister chez les lourds, la technique ne suffit pas. Les coups font mal et le corps doit résister à plus de rounds qu'en boxe amateur. Tony Yoka n'aime pas la musculation, mais il se fait violence. Rapide, technique, élégant sur le ring, il a aussi la réputation de ne pas aimer prendre des coups. Chez les pros, il faudra les encaisser. Les éviter ne suffira pas. Crois-moi, reviens dans un an, reviens dans 12 mois. Tu verras, ce sera une bête, il sera inarrêtable. Le prochain champion du monde des lourds, je te fais le pari, c'est lui. Le prochain, c'est lui. Je pensais vraiment que je serais devenu champion du monde et champion olympique si j'étais pas capable de les poser sur le ring quand le combat devient dur. C'est pour ça que j'éviterai jamais un mec comme Anthony Joshua, j'ai envie de le boxer. Il est dans ma ligne de mire. Je pense que d'ici quelques années, ouais, je vais me le faire. Et je veux le boxer parce que c'est ce genre de défi qui te fait passer de simple champion à légende. Tu ne deviens pas une légende en boxant des mecs nuls. Il faut forcément que tu boxes un mec qui est au top, tu fasses des top fights pour rentrer dans les stands de ton sport. Pour son premier combat, le Français ne boxera pas une terreur de sa catégorie, mais ils sont nombreux à vouloir envoyer au tapis le dernier champion olympique. Tu peux empêcher ton adversaire de faire ça. Donc avance et fais-le reculer. Garde-le simplement à distance. N'essaye pas à tout prix de l'atteindre. Là, jusqu'à la fin du mois d'avril, on va bosser sur des trucs que je sais pas faire. Essayer pas de changer ma boxe, mais de l'améliorer, de la guider. Et à partir de fin avril, il va me laisser boxer comme j'ai envie de boxer pour au moins avoir un mois et demi d'entraînement en toute liberté pour le combat. Pour les fiancés de Rio, l'aventure américaine est le début d'une nouvelle vie. La famille s'agrandit en août. Et le poids lourd d'à peine 25 ans vise le titre de champion du monde d'ici 4 ans. Tony Yoka affiche ses ambitions, comme un Mohamed Ali ou Lennox Lewis, ses modèles. Des champions olympiques, devenus plusieurs fois champions du monde. Yoka veut écrire sa part de légende et frapper à la porte des plus grands.